L'homme qui ne prie pas semble se satisfaire de sa situation et souhaiter y demeurer sans changement, ni renouveau, ni démarche de salut. Mais sans qu'il s'en rende compte, sa situation se détériore de jour en jour. Les liens qui l'attachent à son corps et à la terre se renforcent et son moi demeure la seule source de ses espoirs et de ses passions. Quant à sa relation au Christ, elle reste superficielle et formelle, sans force, incapable de changer ou de restaurer quoi que ce soit. Il s'expose même à renier le Christ au moment de l'épreuve, du besoin, du danger ou de la maladie. Oui, l'homme qui ne prie pas ne peut pas changer, ne peut changer ni se renouveler. L'homme qui ne change ni se renouvelle ne peut avoir de relation véritable et efficace avec le Christ. Aussi zélé soit-il, le culte qu'il présente n'exprime qu'un formalisme extérieur et superficiel qui ne peut donner du fruit. Il est dit ici que nous pouvons nous rendre à l'église, nous pouvons prier, nous pouvons remplir son devoir de chrétien en participant à la messe du dimanche, aux différents offices, sans pour autant recevoir la grâce, les grâces dont nous avons besoin. Parce qu'il faut que notre cœur soit plein de dévotion, soit rempli d'amour et conscience que dans la prière, nous allons à la rencontre du Christ. Les prières ne sont pas magiques par elles-mêmes. Il faut qu'il y ait une disposition de cœur. Par la prière, nous n'attirons pas le Christ du ciel, nous le découvrons à l'intérieur de nous-mêmes. À cause de son amour immense, de son extrême miséricorde et de l'offrande de soi qu'il a réalisée pour notre salut, il lui a plu d'habiter par le baptême notre homme nouveau. Il lui a plu d'habiter par le baptême notre homme nouveau. Dans le baptême, nous recevons une nouvelle nature. Mais c'est lui, c'est le Christ qui est dans cette nouvelle nature. Ce nouvel homme qui est au fond de nous-mêmes et qui doit s'actualiser par la prière, qui doit s'actualiser par la pratique des vertus, c'est le Christ qui est totalement présent dans cet homme nouveau. Et cet homme nouveau, pour qu'il émerge, évidemment, il faut que nous puissions rencontrer le Christ en esprit et en vérité, dans une prière profonde, fervente, pleine de foi. Dans la prière, nous trouvons le Christ debout à la porte du cœur, ne cessant de frapper jusqu'à ce qu'il y soit ouvert. Et quand nous lui répondons, il habite notre vie. Et aussitôt commence notre sortie du monde des ténèbres et notre résurrection. Aussitôt que nous allons vers lui, que nous le prions, que nous croyons vraiment fermement qu'il est là, qu'il veut nous aimer, qu'il veut nous donner son amour, qu'il veut nous donner notre vie, nous sortons du monde, notre esprit sort du monde. Nos pensées qui nous rattachent au monde n'ont plus de pouvoir sur nous et commencent alors en nous l'œuvre de la résurrection. L'homme nouveau, créé à l'image du Christ, ne vit, ne grandit, ne se développe que lorsque le Christ habite nos cœurs par la prière de foi et de désir. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi,
nous rappelle saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Car le Christ est parole de vie, parole que l'homme garde au cœur par la prière et par l'Évangile. Parole vivante, vie véritable. Lui-même, le Christ, est la vie éternelle, nous rappelle Jean dans sa première épître. Et le royaume véritable en l'homme qui l'accueille dans son cœur par la prière et la communion au saint mystère. Parce que le Christ est la lumière véritable pour l'esprit de l'homme qui, dans la prière, accueille sa vérité et ses commandements pour en vivre. Lorsque le Seigneur lui-même dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », il nous indique qu'il est tout, parce que descendu vers nous, ce Dieu d'amour qui a habité notre humanité, qui l'a transfiguré, qui l'a ressuscité, qui l'a renouvelé, il nous l'offre. Et il nous l'offre gratuitement, sans autre condition que de se tourner vers lui. Il n'y a pas une créature ici-bas qui ne soit empêchée de faire ce retour vers lui. Quelles que soient nos origines, quels que soient nos handicaps, quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre vie, le Christ nous offre, s'offre à nous. Et nos pères nous ont montré le chemin, comment il fallait prier, comment le rejoindre à chaque instant, comment se remplir de cet homme nouveau qu'il nous a donné par le baptême. Il est là, il ne demande qu'à émerger, il suffit d'entrer en communion avec le Christ pour que peu à peu, cette créature nouvelle en nous, cet homme nouveau, s'actualise jour après jour. Instant après instant, pourrait-on dire. Le chemin de la sainteté est tout simplement cette maintenir autant qu'on le peut, autant que le peut notre faiblesse. L'Esprit Saint fait le reste. Autant que le peut notre faiblesse, avec la puissance de l'Esprit Saint, laisser émerger ce nouvel homme en nous. Celui qui, tout au long de la journée, se tourne vers le Seigneur, quelles que soient les circonstances, paisiblement, par la prière de Jésus, la récitation du chapelet, la méditation d'un verset de psaume que l'on répète inlassablement en soi, avec le désir qu'à travers ce psaume, à travers ce verset, à travers ces paroles, nous entrons en communion avec le Seigneur qui nous appelle. Prier, c'est répondre à son appel, c'est répondre à son amour. Il ne nous appartient pas de savoir comment cette œuvre s'accomplit. Ce que nous avons à faire simplement, c'est par la prière de nous unir à lui, afin que puisse révéler en nous la plénitude de sa vie, la plénitude de la résurrection.